Alors, bonjour à tous, amis du Hauts-de-France. Aujourd'hui, on va faire le tirage au sort pour savoir qui est-ce qui est confiné ou qui est-ce qui n'est pas confiné. Alors, c'est parti pour la roulette dans quelques secondes. Voilà, la roulette est partie pour savoir en Hauts-de-France qui est-ce qui va rester chez soi ou qui est-ce qui pourra sortir. Les confinés et les non confinés. Voilà, c'est parti. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Eh oui, c'est comme ça, on l'a décidé, comme quoi qu'on peut ou on peut pas sortir. Et qui peut et qui peut pas. Alors, on attend le résultat. On attend, on attend. Ah, voilà, on a le résultat. Alors, toute la métropole de Lille est confinée. Vous avez toutes les villes derrière moi. Par contre, exceptionnellement, je peux dire moi, puisque moi j'habite à La Pévèle. La Pévèle, ça ne fait pas partie de la métropole de Lille. Ça veut dire que moi j'habite Sizouin, c'est tout en haut là. J'habite Sizouin, juste à côté, à 2 mètres, c'est Bouvines. Eux sont confinés, moi je ne suis pas confiné. Ça voudrait dire que là maintenant, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est en bleu, alors les gens qui habitent en bleu, vous savez que vous n'êtes pas, entre guillemets, confinés de, je crois que c'est de 19h, 21h à 6h du matin. Alors nous, on a échappé au virus. Dans notre commune, on a un blindage de antivirus. Tout partout, tout autour de nous. Alors tout autour de nous, ils sont censés avoir le virus, mais pas nous. Nous, on peut pas l'avoir, puisque nous, on n'est pas de la même commune. Le virus est intelligent, il va pas chez nous. Je dirais même, pas moi bien sûr, mais je dirais même, le virus, il va plutôt sur les gens qui ont moins d'argent que les gens qui ont plus d'argent. Parce que notre commune, ils sont quand même assez aisés quand même. Alors, il est intelligent quand même, ce virus. Alors, soyez sérieux un petit peu. Moi, tout ce que je voudrais dire, c'est que il faut arrêter les conneries et penser plutôt aux gens vraiment malades, aux enfants qui ont des cancers ou quoi que ce soit comme maladie, les vrais malades. Je dis pas que ce virus n'existe pas, qu'il n'y a pas de malades. Bien sûr qu'il y en a. Mais il n'y en a pas autant de ça. Regardez la preuve. À deux pas de chez moi, t'es confiné.